Bonjour, Violette de Cinémag. Aujourd'hui, je vous parle de Je verrai toujours vos visages de Jeanne Héry. C'est un film qui met en fiction un dispositif méconnu en France, le dispositif de la justice restaurative. Ce dispositif met en place un dialogue, un tissu relationnel entre des victimes et des détenus. Alors, il y a dans l'œuvre de Jeanne Héry cette ferveur de croire en la puissance restauratrice, en la puissance réhumanisante et cathartique du dialogue. La catharsis chez les Grecs, c'est la possibilité de se purger de ses émotions, de modifier carrément, essentiellement, nos états psychiques. Et là, ce à quoi nous allons assister, ce dont nous allons être les témoins dans ce Je verrai toujours vos visages, c'est à cette possibilité par la parole pour les victimes, mais aussi pour les détenus, de prendre conscience, de se comprendre, de s'écouter surtout, et certainement de se réhumaniser, de se réinscrire dans le tissu de la société. C'est un film qui porte des valeurs qui sont peut-être anachroniques de nos jours ou violentées. Dégradées. Ces valeurs, ce sont la vertu, déjà, la droiture, la rectitude, la mansuétude. C'est un film qui, il me semble, suppose et nous engage dans le cinéma comme philosophie de l'espérance. C'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne Héry. Merci.